Ceci est un acte fondamental, je dirais même dans l'histoire de nos deux religions en France, où nous n'avions pas de lien aussi fort, parce que aujourd'hui la situation est très forte, non seulement forte mais grave, et l'heure est venue de changer aussi nos comportements et de nous rapprocher afin de ne pas nous désunir et que notre pays soit le pays de l'union et de la fraternité. Et il faut donc que tous ensemble, non pas par de la haine ou de l'exclusion, mais par des exigences répétées envers ceux qui ont la responsabilité de gouverner ce pays, pour que des mesures fortes soient prises afin que notre sécurité puisse être assurée dans le respect républicain de chacun, mais aussi avec la conviction que l'immense majorité de ceux qui se réclament de l'islam ou de ceux qui sont chrétiens ont à cœur de vivre cette miséricorde, cette paix et cette fraternité tous ensemble.